to our first panel. We are now starting with our second panel, the local architects. I will shortly switch to French. Donc bonsoir à tous. Nous accueillons maintenant notre second panel d'invités, les architectes locaux, qui viennent nous parler de leur revue préférée ou leur revue inspirante. En tout cas, ils nous ont amené une partie de leur bibliothèque. Je vais tous les citer. Je les laisserai ensuite intervenir environ 5 minutes chacun. Donc ce soir, nous recevons Bernard Defay, de chez Beaumont Defay, Cédric Libert, Christophe Antipas et Laurent Lifaug de LLAC, Hubert Lyonnais de chez Carbone, Lionel de Flirer de chez Rotor, Pablo Loas de chez Loas et Loas, Pierre Blondel, Pierre Eblink, Sarah Noël Costa de Arrojo de chez XDGA et Shin Aguiwara. On va commencer par Pablo Loas qui va... Oui. Alors nous excusons, oui, effectivement, Inge Vink de chez Tailleux Vink de Wilder et Tael van Meyrag de chez Barak. Bonsoir à tous. Alors c'est effectivement un assez curieux exercice et je remarque que ma pile est pas mal plus grande que celle des autres, qui, et je m'arrête là pour ce qui concerne la potentielle compétition dans laquelle s'est déjà lancé mon voisin de gauche, je n'avais pas du tout ça à l'esprit, mais au contraire, je trouve que ça exprime bien mon parti pris, et je dirais peut-être deux choses d'introduction sur le parti pris, qui est un parti pris qui concerne le choix des revues d'architecture, mais qui est un parti pris évidemment beaucoup plus général, et qui est d'une part de dire que, contrairement à certains autres que j'ai encore entendus tout à l'heure, je n'ai pas peur des images, pas du tout. Et presque au contraire, je crois qu'on est à une époque où c'est vrai que ça devient problématique, mais au contraire, moi je suis avide d'images, et je pense qu'on doit... sous peine de réduction, je trouve un peu dommage, d'admettre ça, de dépasser ça et de digérer cette profusion effectivement d'images à laquelle on est confronté et qui nécessite un travail. Et bon, voilà, le choix ici, c'est aussi le choix de l'éclectisme, le choix de postures extrêmement différentes, de publics extrêmement différents, de contextes extrêmement différents, de tailles de magazines différents, de pays différents et de natures de textes aussi extrêmement différentes. Bon, je n'aurai pas évidemment dans les 5 minutes qui nous sont allouées le temps de toutes les passer en revue, mais je ferai des focus pour différentes raisons plus ou moins légères sur l'une ou l'autre de ces revues d'architecture et pas seulement, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que à la fois on puisse composer avec des publics extrêmement différents et qu'on puisse évidemment brasser des disciplines extrêmement différentes. Et à la fois je suis très féru de disciplines architecturales, de choses pointues consacrées à l'architecture, et tout autant, et sans doute que l'éclectisme du choix de revue ici l'illustre aussi, tout autant de choses légères, de choses... facile, de choses plaisantes, et donc à la fois des magazines, et je ne sais pas, je prendrai un numéro spécial de Rassegna consacré à l'histoire de l'architecture en Belgique, et qui je trouve est assez emblématique. Alors je peux passer en revue, je ne sais pas si vous avez le temps de voir la variété et le sérieux, parce que c'est ça qui est, je trouve, vraiment extraordinaire, c'est que à la fois c'est pointu, à la fois c'est sérieux, ça aborde un sujet comme l'histoire de l'architecture en Belgique dans un format concis, mais très sérieusement, et c'est à la fois parler de design, parler d'urbanisme, parler de ce qui, à mon sens, fait toutes les dimensions vraiment de l'architecture. Si je dois faire un focus peut-être sur une autre, et pour d'autres raisons, c'est un des tout premier numéro d'El Croquis, qui permet aussi de
témoigner des évolutions des magazines. Il y en a pour lesquels on s'est emballé, qui étaient sublimes il y a 20 ans, qui sont devenus des merdes. Il y en a qui sont aujourd'hui extraordinaires et qui le resteront, d'autres qui ne le resteront pas. Et donc il y a, et il faut l'admettre aussi, une très grande relativité de la qualité même de ces magazines qui tient à nombre de choses, dont, j'en prendrai qu'une, la qualité ou la personnalité du rédacteur en chef. Et El Croquis, assez loin de ce qu'il est aujourd'hui, alors c'est juste là un petit morceau d'anthologie pour tous les fans des El Croquis monographiques d'aujourd'hui, voilà, qui parle et qui... Alors c'est marrant aussi que dans cette sélection, en fait, alors que je suis beaucoup moins espagnol que mon prénom ne le laisse penser, il y a pas mal de magazines espagnols. Alors, El Croquis, 2G, et 2G, premier numéro de ce qu'ils appelaient, ce qui se revendique comme une revue d'architecture, et qui était assez neuf à l'époque, de monographie sur des sujets à la fois d'actualité, David Chipperfield au moment où ça apparaît, ou des morceaux d'histoire, je pense à un numéro consacré à l'architecture des années 50 en Italie, et d'autres choses parfois plus curieuses, et je trouve, hein, là encore, très beau et très enrichissant mélange. Sans parler aussi, bon, on ne peut pas tout dire évidemment dans si peu de temps, mais que la qualité la qualité technique, je dirais simplement, des publications, c'est quelque chose qui a magnifiquement évolué et dont on doit vraiment se réjouir aujourd'hui. On peut produire des magazines d'une qualité vraiment extraordinaire qui nous permettent de goûter le détail des plans, le moindre détail, chose qui n'était pas toujours possible il y a quelques années. Un de ces magazines qui a eu son heure de gloire mais qui a mal... Ok, j'arrête. Salut tout le monde. Non, sérieux, mais non, oui. Je suis le premier à vouloir jouer le jeu, puisqu'en plus, je me suis malheureusement imposé aux autres en vous demandant de passer le premier, parce que je dois absolument partir. Quoi, vous laissez 7, comme ça, je fais 7 et vous ferez 7 tous, alors. Bon. Mais non, mais donc, un très beau morceau d'anthologie, c'est un AD consacré au constructivisme à une époque où le constructivisme commençait à nouveau à intéresser les architectes pour devenir peut-être malheureusement le déconstructivisme et qui annonçait peut-être la fin de AD. Voilà. Je vous salue, merci beaucoup de votre attention et bon amusement. Bon. Je les reprends. Hein. Alors, un magazine, une revue d'architecture. Quand on m'a posé la question de savoir si je pouvais passer ce soir et parler d'une revue d'architecture, sans hésitation, je suis retourné dans ma bibliothèque et j'ai zoomé sur la revue Space and Society, numéro 18, qui a ce site particulier que, en fait, c'était la première édition d'une revue qui existait déjà, qui s'appelait Spazio e Società, et qui avait été lancée dans les années 70 par Giancarlo De Carlo en Italie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette revue-là? Parce que, pour tout dire, si la question est de savoir est-ce qu'une revue d'architecture peut orienter une vie ou une carrière, ben je dis oui, ben voilà, donc c'est celle-ci. Et pour la petite histoire, en 1984, donc cette revue-ci date de 1982, et en 1984, je suis aux États-Unis pour un parcours personnel depuis déjà plusieurs années, et je suis dans la position où je dois choisir une école pour faire une maîtrise en architecture. Et je ne vous cache pas que là, j'étais complètement dans les bégonias, puisque je trouvais que l'époque n'était pas marrante. Michael Graves sévissait beaucoup. Il y avait beaucoup de trucs blancs qui se construisaient. Philip Johnson, en 1984, finissait de construire sa fameuse tour
AT&T à New York. Et donc j'étais perdu, je me suis retrouvé dans une librairie d'architecture et je suis tombé sur cette revue-là qui avait été publiée deux ans à l'avance. Et qui a fait que mon parcours s'est orienté. Alors pourquoi ? C'est très simple, étant donné que c'était le MIT Press qui publiait publiait en collaboration avec Sansony la revue, il profitait de cette première édition, je dirais, nord-américaine, pour mettre en évidence le travail des deux piliers, je dirais, enseignants, pédagogues de MIT des années 80, des années 70-80. Alors j'ai lu deux articles. Donc le premier, c'était celui-ci. Fragments of Theory and Practice. Et le titre de l'article, Notes on some observable facts of associative physical definition form. Je n'avais jamais lu rien de tel, ni dans la forme, ni dans le fond, ni quoi que ce soit. Et je suis passé au deuxième article du deuxième pilier à l'époque à MIT, qui était Jonah Bracken, et qui publiait un article qui s'intitulait Signs of Structures. Alors, évidemment, je n'avais plus sorti cette revue-ci depuis probablement 20-25 ans. Donc j'ai relu, avant de venir ici, j'ai relu. Et je suis tombé assez amusé de relire tout ça et de me rendre compte qu'en fait, ces deux types-là qui, quelque part, s'aimaient et se haïssaient un tout petit peu aussi, en fait, parlent exactement de la même chose. J'ai retrouvé quelque chose de remarquable dans une forme de durabilité, dans une forme de prise de conscience de ce qu'ils appellent le field, le champ d'action, de ce qui est lié à la permanence, et à ce qui évolue, à la transformation. Et je dois dire que ça a été une bouffée d'air frais finalement de relire. Ce qui est quand même intéressant de comprendre, c'est que Giancarlo De Carlo, qui avait démarré la revue dans les années 70, faisait partie de Team 10, du fameux Team 10, le Team 10 qui avait été assez actif dans les années 60 à MIT. Et Giancarlo De Carlo s'est retrouvé, à mon avis, c'était en 1981, c'était la fin de Team 10, il y a eu une dernière réunion, je crois, en 81. Et j'ai trouvé assez amusant de voir qu'une école comme MIT, oui, j'arrive de suite, une école comme MIT a suivi un parcours qui était complètement différent de tout ce qui se faisait aux États-Unis. Et connaissant Giancarlo De Carlo un petit peu dans son phénomène de séduction, à mon avis, il y a eu là un moment où tout ça s'est mis en place et qui a créé Spazio e Sociedad, qui a donc ceci numéro 18 et qui a duré jusqu'au numéro 60, je crois, dans le milieu des années 90. Voilà. Alors pour nous, cette invitation a été une excuse pour se plonger dans nos bibliothèques, Christophe et moi. Une des conclusions qui est rapidement sortie de cette petite exploration, c'est que des magazines d'architecture intéressants, qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas dans notre bibliothèque. Et en fait, on s'en sortait pas très bien. Et on a renversé l'exercice dans ce sens qu'à la place de chercher des magazines intéressants, on a été chercher des textes intéressants dont on se rappelait qui nous avaient influencés. Et les magazines qu'on va montrer aujourd'hui, c'est les magazines dans lesquels on a retrouvé ces textes ou ces articles. Le premier, c'est un reportage photo, c'est pas un texte. C'est un reportage photo sur une œuvre de Gregor Schneider, un artiste allemand. C'est une transformation d'une maison, quelque part en Allemagne. C'est
un travail qu'il a fait, qui commence à partir de ses 16 ans, où systématiquement, pièce par pièce, il va changer le contenu de la maison. Il va dédoubler des pièces, il va ajouter des portes, fermer des pièces tout à fait... ajouter des murs mobiles, etc. Le reportage est publié dans le magazine Uevo. C'est un magazine italien qui sort 4 fois par an, mais qui, ne, si je ne me trompe pas, n'existe plus. Tu le décales, je pense, un peu. Donc un article de Julian Rebentisch, qui est en fait un extrait d'une partie d'un de ses livres qui s'appelle Installation et Intervention. En fait, c'est un article donc, sur l'art de l'installation qui explicite les modalités, les possibilités pour une pratique politiquement et socialement engagé. Elle articule sa pensée autour d'un concept clé qui est l'expérience esthétique. Ça nous intéresse parce qu'il y a des résonances et des échos avec notre pratique. Et cet article a été publié dans la revue May, qui est une revue de critique artistique basé à Paris et qui sort, c'est une revue trimestrielle. Un article de David Harvey on Architects, Bees and Possible Urban Worlds. C'est le premier texte que j'ai lu de Harvey que j'ai depuis lors suivi. Le texte est important pour moi dans le sens qu'il a une ou qui propose une lecture de la ville très radicale, dans le sens que, comment dire, pour Harvey, ce n'est pas seulement les architectes ou les citoyens qui construisent la ville, mais c'est aussi l'espace urbain qui nous construit ou qui nous définit. C'est publié dans un magazine qui s'appelle Anywise, un magazine que, si on regarde un peu à le graphisme et la typographie, on reconnaît une certaine période, je crois, hein, clairement années 90. C'est un magazine publié par MIT Press. Il y a une série, en fait... Hein, et c'est questionnable, hein. On pourrait dire que c'est aussi des livres, hein. Mais ok, moi j'ai pris le doute dans mon avantage, hein, et j'ai décidé que c'était un magazine. Il y a une série, ça va toujours sur la ville à la fin du XXe siècle, celui-là va spécifiquement sur la ville asiatique, et s'appelle pour cela Anywise. Ok, ça c'est une découverte d'un critique littéraire et théoricien de politique marxiste américain, c'est-à-dire prénommé Frederick Jameson. Donc ça c'est un article, c'est plutôt un interview qui a engendré la lecture de ses livres. Pour moi ça a été une découverte, même si c'est quelqu'un d'apparemment assez... célèbre, en tout cas dans le monde anglo-saxon. C'est aussi quelqu'un qui nous intéresse parce qu'il parle d'une figure qui et Laurent et moi-même nous intrigue, c'est celle de Karl Marx. Et donc dans cet article, il effleure un de ses concepts clés, en fait, qui est cet inconscient politique. Évidemment, il ne fait que le nommer dans ce numéro, et il est développé dans ses livres. Dans cette belle... revue hors série du Monde intitulée finement Une vie, une œuvre, donc dédiée à chaque fois à une vie, une œuvre, et ici c'est pour
Karl Marx. On est déjà là? Okay. Bon, je crois que j'arriverai tout juste à rester dans l'image. Je reviens d'une année en Californie et j'ai ramené pas mal de livres pour mes collègues de Rotor, mais ce que je vais vous montrer sont probablement, enfin certainement, les plus précieux parmi ce que j'ai ramené. Il s'agit de deux numéros d'une revue, The Whole Earth Catalog, qui est une revue qui a une réputation assez mythique dans la dissémination de la contre-culture aux États-Unis. On parle fin années 60, début années 70. C'est aussi une revue qui permet, comme elle a couru sur 3 ans, qui permet de voir l'évolution du mouvement écologiste de façon assez spectaculaire. D'ailleurs, l'initiateur de la revue, Stuart Brand, était un biologiste lui-même et les questions d'écologie jouent un rôle extrêmement important dans la conception de la revue. Mais à la base, il faut se dire qu'il a conçu l'idée en se disant qu'il avait pas mal d'amis qui commençaient des communes dans les déserts des États-Unis à cette époque-là. Il se rendait compte que c'était des gens qui avaient 20 ans, qui se construisaient des abris eux-mêmes, qui essayaient de cultiver leur propre nourriture, qui n'y connaissaient rien du tout, donc qui avaient besoin de savoir, qui avaient besoin d'outils. Et la finalité du Whole Earth Catalog, c'est d'abord d'offrir ces outils à ces gens-là. Et quelques mots sur le mot Whole Earth, ça fait référence surtout au fait que... Enfin, il y a une longue histoire derrière, mais essentiellement, les premiers numéros qui étaient des fins numéros comme celui-ci, mais les tout premiers, qui sont très rares maintenant, que j'ai pas pu trouver, montrer à chaque fois l'image du globe terrestre sur la couverture. C'est plus ou moins la première image du globe terrestre dans son entièreté qui existait à ce moment-là. Et on arrive à peine à concevoir ça, mais en 1966, par exemple, ces images n'existaient pas ou n'étaient en tout cas pas publiques. Stuart Brand a réalisé que voir cette image allait fortement aider la conscientisation écologique et a donc poussé pour que ces images soient diffusées. La notion de catalogue, par contre, ça fait référence vraiment au catalogue dans le sens de catalogue de vente par correspondance, comme vous auriez un catalogue La Redoute. D'ailleurs, il dit très explicitement qu'il s'est inspiré sur le catalogue L.L. Bean, qui est un catalogue qui existe depuis 100 ans maintenant, initié par un homme qui avait inventé un nouveau type de bottes, que vous voyez ici. Donc c'est une botte qui est totalement étanche et qui a fait fureur à partir de ce moment-là, donc 1912, surtout chez les chasseurs, les pêcheurs et autres aventuriers. Et au fait, ça rappelle le fait qu'aux États-Unis, en tout cas, l'écologisme est quelque chose qui est lié justement au mouvement, aux associations de pêcheurs, de chasseurs, d'ornithologues, de gens qui voient disparaître des écosystèmes entiers et qui voient leur loisir ou leur possibilité de loisir disparaître. Pour le reste, c'est évidemment surtout rempli de chemises à carreaux pour l'instant, ce catalogue, mais je suis surtout là pour vous parler de celui-ci. Donc, le Whole Earth Catalog se présente vraiment comme un catalogue de vente par correspondance. Donc, vous avez, d'ailleurs, je vais vite ressauter vers celui-ci. Ce qui est assez étonnant chez le catalogue L.L. Bean, c'est que vous avez pour chaque item, comme par exemple le superbe pull que vous voyez ici, vous avez un titre,
une petite critique, une petite description de l'article, et puis évidemment le code pour commander l'article et le prix. Stuart Brandt et son Whole Earth Catalog, ils vont faire exactement la même chose, mais alors pour des outils qui sont censés être utiles aux hippies perdus dans le désert quelque part. Par exemple, cette éolienne-ci, il y a moyen directement de l'obtenir à la firme en question, dont les détails sont donnés là. Il faut se dire, ceci est un catalogue comme celui-ci était possible grâce à un système postal fantastiquement efficace à l'époque. Il l'est encore un tout petit peu aux États-Unis. La poste coûte pas cher pour envoyer des colis. Mais c'est du genre, vous commandez ça par lettre et 3 jours plus tard, vous l'avez chez vous, même si vous habitez au fin fond du désert du Nouveau-Mexique. Dans une commune dont personne ne connaissait l'existence l'année auparavant. Et ce que j'admire, moi, dans cette publication, c'est le fait que c'est totalement dédié, enfin, axé sur le service rendu au public. Donc, à l'acheteur du catalogue ou celui qui lit le catalogue, c'est lui l'unique destinataire. Et donc, ils font la définition de façon extrêmement transparente au début de leur catalogue de quelle est la fonction et le but de leur catalogue, et c'est être utile. Donc, mettre à disposition ce qu'ils appellent des tools, donc vraiment des outils dans le sens le plus matériel des choses, mais aussi des outils dans le sens des idées ou des textes qui peuvent servir comme outils, dans la bonne vieille tradition pragmatiste américaine. Et donc, vous ne trouverez rien de plus dans ce catalogue que des choses qui sont censées aider les utilisateurs. Il n'y a pas de critiques, il n'y a que des critiques positives. Donc chaque objet qui se retrouve dans le catalogue est un objet qui a été jugé par soit quelqu'un qui est membre de la rédaction du Whole Earth Catalogue, soit par des gens qui ont simplement soumis une critique. Ils ont testé un produit, ils ont testé une tronçonneuse, ils écrivent une petite critique et si la critique est publiée, ils sont payés $5 pour leur contribution. Maintenant, enfin, je vais feuilleter un tout petit peu si j'ai le temps. Non. Au fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est le genre de, il y a moyen de se perdre des heures ici dedans. Celui-ci, c'est donc le Last Whole Earth Catalog, c'est publié en 71, c'est une espèce de compilation de toutes les éditions précédentes. Et je voulais juste terminer avec, bon, évidemment, on c'est organisé par rubrique, et il y a, par exemple, ici, une rubrique massage, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la rubrique shelter, évidemment, qui est celle qui s'adresse le plus explicitement aux questions architecturales. Le Whole Earth Catalog a été important dans la dissémination de l'idée de la appropriate technology, donc une technologie appropriée dans ce sens-là. Toute la philosophie du design de contre-culture a fortement été disséminée là. Mais je ne vais pas en dire plus par rapport à ça. Juste une chose, et ça je trouve, on a un petit peu parlé d'argent tout à l'heure, ils ont toujours été extrêmement transparents par rapport aux questions d'argent. Et donc, à la fin du catalogue, vous allez voir toute la comptabilité du catalogue est publiée dans les moindres détails. Et ceci, par exemple, c'est une liste de, sur les $5 que vous payez pour ce catalogue, où vont les $2 ? $2 vont aux marchands de livres. Il y a la maison d'édition reçoit 45 cents, etc. Tous ces détails sont faits. Ça a été un peu le rêve américain du zine, le Whole Earth Catalog, dans le sens où ils ont tellement vendu. De ce livre-ci, il y a plus de 100 000 exemplaires qui ont été vendus. Ils ont fait un freak bet, et cet argent-là a été mis dans un pot qui est devenu une fondation qui, au début des années 70, a encore offert de l'argent à toute une série de gens qui ont été extrêmement importants dans le développement d'un design, d'une architecture écologique. Voilà. Merci. Je l'ai payé $50.
Moi, je vais profiter du dispositif qui est mis en place. Je vous demande de fixer très attentivement l'écran. Et donc, je trouvais intéressant effectivement la question de comment on se procure les revues, et donc notamment ce système d'envoi postal. Et donc, aussi pour amorcer un élément de réponse par rapport à une des questions qui est posée dans l'exposition, qui est le statut de la revue imprimée à l'âge digital, vous montrez une contribution, justement dans les publications d'architecture, qui a été faite par un bureau d'architectes espagnols qui s'appelle Mansilla y Tuñón, et qui s'appelle Circo, ça veut dire cirque en espagnol. Et en fait, cette revue, alors est-ce que c'est peut-être la sorte de revue minimum dans la mesure où c'est chaque fois un article, hein. Cette revue a commencé en 93 et on attend effectivement les prochains numéros pour 2013. Donc il y a 20 ans et c'est exactement le même format en 20 ans. Donc par rapport à ce que Pablo disait tout à l'heure sur l'évolution des revues, ici ça m'a intéressé de montrer une revue qui a eu un format et qui le continue pendant 20 ans. L'idée étant effectivement de demander la contribution à une série de personnes qui participent d'une même réflexion, d'une même pensée sur l'architecture. Et de fait, il y a ici l'idée de prolonger cette initiative qui avait été lancée par les architectes expressionnistes en Allemagne autour de Bruno Taut, qui est la chaîne de cristal. L'idée étant qu'effectivement, ça avait été initié par Bruno Taut, qui envoie un article à un autre architecte, lui-même répond à un autre architecte. Il y a comme ça une sorte de mise en série qui se fait. Et ici, on est un peu dans le même dispositif, dans le sens où effectivement, on écrit un article, une autre personne écrit un article. Et ce qui est intéressant, c'est que ces publications sont accessibles sur Internet, via la page web du bureau de Mansilla y Tuñón. Mais malgré tout, le PDF est fait de manière à ce qu'il faut l'imprimer pour pouvoir le lire. Donc il y a quand même malgré tout une volonté de rester dans le format imprimé. Et je trouve que ça fait de ces petits feuillets des objets vraiment très intéressants, à la fois pour leur simplicité, une sorte de goutte d'eau qu'on a lancée à un moment donné et qui crée des ondes et qui rayonne, et autour de laquelle une pensée, parce qu'il y a une grande continuité qui se met en place, une pensée s'établit. Mansilla y Tuñón, ils n'entendent pas à un moment donné, quand ils sont à court de collaborateurs, de publier un texte d'Adolphe Haneck ou de publier un texte de John Berger, par exemple, qui est un texte lié au décès de Le Corbusier et qui est la seule publication qui a droit à la couleur avec cette main de Le Corbusier imprimée sur la paroi. Et donc, je trouvais que c'était intéressant par rapport à la réflexion sur le statut justement de la revue imprimée et par rapport effectivement à la question de l'accessibilité via Internet, puisqu'on a un accès direct. Et là, il y a une sorte de mouvement horizontal. En contrepartie, je voulais montrer une autre revue qui, elle, n'est pas une revue d'architecture, mais qui, elle, justement aussi interroge le statut imprimé de l'image. Et c'est en fait une revue qui est liée à un lieu qui s'appelle la Cryptonique, à laquelle en fait le bureau d'architecture auquel je travaille, Carbone, a été associé. C'est en fait une personne qui s'intéresse à l'image et qui en fait a avec d'autres personnes acheté le fonds de commerce d'un magasin de bande dessinée à Bruxelles qui était tombé en faillite et qui était un magasin tenu par une personne qui avait en fait récolté depuis les années 60 toute une série de bandes dessinées, à la fois effectivement celles qui avaient du succès, mais celles qui aussi, en fait, il récoltait tout. C'était vraiment, il ratissait large et tout ça. Et donc, cette personne qui s'appelle Philippe Capard s'est dit, c'est dommage que ce fonds, cette accumulation soit perdue. Donc, il a comme ça mobilisé une série de personnes. Ils ont racheté ce fonds et ils ont fondé ce magasin qui s'appelle La Cryptonique et qui est un magazine, et qui se structure lui-même, le lieu physique se structure en trois niveaux. Il y a la crypte, qui est une sorte de cave dans laquelle ils ont ils ont préservé, je dirais, ce fond de revue. Il y a le magasin, qui donne dans les Galeries Bortier, qui est un lieu dédié au livre à Bruxelles. Et à l'étage, il y a un niveau de rédaction. Et donc, effectivement, ce magasin, le principe, c'est qu'une série de personnes invitées viennent, puisent dans la crypte, donc dans la réserve, une série de publications qui leur semblent intéressantes et qui peuvent participer de la construction d'un thème.
Hein, donc, et ces revues sont exposées dans le magasin. Hein, donc et là, vous avez voilà, le mobilier, c'est très simple, ça a été fait avec 2 francs, 3 sous. Mais il y a l'idée, par exemple, du scriptorium, qui est cette... comment dire, que ce bureau qu'utilisaient les moines copistes, où on a un rapport très étroit entre la réalisation du livre et sa présentation. Donc ça, c'est pour l'univers. Et donc, ils ressortent une série de revues et ils créent un numéro thématique, comme par exemple celui-ci, qui interroge le rapport entre la bande dessinée et le cinéma muet, à travers notamment Félix le Chat et Chaplin. Et donc, il y a le jeu, là, du télescopage des images, de la mise en parallèle et de la construction d'un propos qui, lui, à la différence de celui que j'avais expliqué avant, qui est plutôt horizontal, celui-ci est plutôt une sorte de section, comme ça, dans une sorte de production d'images. Un des thèmes a été donc la bande dessinée et le cinéma muet. Un autre a été, et c'est assez intéressant, le thème était « sauvage comme une image », hein, un peu en contre-pied à l'expression « sage comme une image », et qui interroge la façon dont l'univers des nègres est investi par les blancs. Hein, avec des choses qui sont évidemment connues, mais des choses qui sont tout à fait ahurissantes, comme par exemple des publicités qui étaient parues dans les années 34 en Belgique, et qui dit « Plus aucun doute n'est permis, l'avenir pour les jeunes, ce sont les colonies. Le grand continent noir leur fait-il un peu peur? Voici de bien jolis masques pour vous y habituer, toi et ta petite sœur. » Et donc, voilà, et il y a comme ça, évidemment, il y a un article sur Tintin au Congo, des thèmes qu'on connaît un peu mieux, mais il y a comme ça tout un imaginaire, et surtout, il y a aussi la dénonciation à travers, effectivement, la mise en parallèle de ces images, le fait combien les images ne sont pas toujours aussi sages qu'on ne le croit. Un autre thème, ça a été Flower Power et la ultra-violence, par exemple, et... effectivement, montrer comment, avec cet univers Love and Peace, au même moment, il y a des choses tout à fait contradictoires, avec effectivement une série de bandes dessinées qui sont effectivement ultra-violents, jusqu'à des auteurs de bandes dessinées qui finissent par dessiner des cibles. Hein, vous voyez, oh voilà, pardon, je fais pas attention. Vous voyez, finissent par dessiner des cibles, notamment on a ici des cibles qui ont été commandées par la police de Liège et qui sont vendues dans le monde entier. Voilà. Un dernier numéro qui nous ramène peut-être lui un peu plus à l'architecture, qui travaille sur la typographie, hein, où là, évidemment, le rapport entre le texte et l'image, bon, un thème fondamental pour la bande dessinée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce même moment, donc, dans la galerie, sont exposées toute une série de revues, bon, des bandes dessinées, mais aussi, par exemple, des revues qui sont voilà, des revues, comme celle-ci, Sign of the Times, qui est une revue américaine des années de 1965, qui est une revue spécialisée, destinée aux personnes qui veulent effectivement à tout l'univers commercial pour effectivement savoir comment dessiner une enseigne publicitaire, comment l'implanter. Et donc là, il y a un univers de l'architecture commerciale qui est assez fascinant, et effectivement le télescopage entre architecture et images, jusqu'à par exemple ici un petit projet qui est même publié dans cette revue qu'on voit ici, qui est un article qui explique aux propriétaires d'une station-service comment pouvoir facilement adapter leur station-service, leur station-essence, en un centre de fabrication de la signalétique. Donc il y a vraiment là le do-it-yourself de la signalétique. Et avec aussi un article assez intéressant en termes d'architecture, où on montre par exemple les bureaux d'une grande compagnie qui fait de la signalétique. On voit ici leurs ateliers. Bon, on est dans les années 60, vous voyez effectivement le type d'image qui est produite, et en contrepartie, l'image même de cette entreprise et l'univers intérieur de cette boîte classique. Et bon, on est en noir et blanc, on n'a pas droit à la couleur, mais on peut imaginer. Et donc, ça pour dire que par rapport à la revue imprimée, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est de se dire qu'à un moment donné, au fil des revues, moi j'aime beaucoup chiner, et c'est intéressant de voir justement comment, à un moment donné, dans une revue, quand elle est sortie de son contexte, il y a des choses comme la publicité qui finalement finit par être quasi plus parlante que des choses qui sont exposées dans la revue. Alors je me suis un peu livré à l'exercice, et si on reprend par exemple ici un numéro d'A+, qui est assez étonnant déjà aussi pour afficher comme ça de manière aussi forte le drapeau belge, hein, qui est une revue de 1985, où il est notamment question de l'implantation d'un musée d'art moderne à Bruxelles,
question qui est de nouveau d'actualité. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir des choses qui n'étaient pas voulues, mais par exemple aussi comment les publicités, c'est intéressant de voir comment les publicités aussi marquent une époque. Et ici, on a, je crois, une tradition très très belge dans cette publicité, qui est une publicité pour des revêtements de sol, qui présente ce revêtement sol en disant le nouveau revêtement antidérapant pour garder les pieds sur terre. Et je trouvais ça intéressant de se dire que par rapport à la revue imprimée, il y a justement la mise ensemble d'univers parallèles, mais quand on les ressort de leur contexte, à un moment donné, il y a comme ça des choses qui sont intéressantes dans leur mise à proximité. Et donc je trouve que le document imprimé, pour ça, a aussi une valeur à un moment donné d'avoir mis ensemble des choses et qui, avec le passage du temps, donc la publicité par exemple, ou certains types de projets, et qu'avec le décalage du temps, à un moment donné, ils reprennent une nouvelle pertinence ou ils reprennent une nouvelle signification. Voilà. Avec ça. J'ai décidé de présenter une revue d'architecture autrichienne, une revue officielle, donc c'est pas la revue, ou elle n'existe plus, hein. C'est pas la revue de l'ordre, mais c'est la revue officielle de l'organisation des architectes indépendants. Et donc c'est une revue de 68, donc période de contestation, et par rapport au vu des contestations qu'il y avait à cette époque-là, l'ancienne rédaction d'Abau, on avait marre, ils ont donné, ou comment dire, la rédaction à Hans Hollein, entre autres, et Walter Pichler. Et donc, c'était devenu tout d'un coup une revue où il y avait des manifestes, donc il y a plusieurs manifestes. J'ai choisi celle-ci parce que c'est le manifeste le plus important, c'est le manifeste de Hans Hollein qui dit « Alles ist Architektur ». Quand ils ont repris l'architecture, ils ont aussi changé de titre. Ça s'appelle plus « Der Bau », mais ça s'appelle « Bau ». Et donc voilà, je montre juste... Oui, je suis désolée, c'est une photocopie. Donc on parle de revue d'architecture, j'ai pris une photocopie. Donc la première page, ceci c'est le manifeste. Donc on a une page de manifeste et 27 pages d'illustrations. Donc illustrations qui tournent autour du thème « Alles ist Architektur ». Non, « Alles ist Architektur » veut dire « Tout est architecture ». Donc on ne parle plus de l'architecture construite, mais pour lui, donc tout ce qui est... tourne autour de l'homme et qui est extension de l'homme devient architecture. Je crois que tout le monde le sait. Je ne sais pas si tout le monde a en fait vu les illustrations de son manifeste. Donc, je montre quelques pages. Donc, tout le monde est architecte aussi. Donc ici, il y avait le petit carré pour mettre sa propre photo et pour devenir architecte aussi, peu importe qui on était. Donc, les habits, les lunettes. Il se publiait lui-même aussi. Donc, ici, il y avait déjà la high-rise... High-rise building qui faisait partie de la collection du MoMA à l'époque déjà. Donc, vague de contestation, donc l'homme au centre, donc beaucoup de personnes, idéalement à poil. Donc, ici encore, donc, qu'est-ce qui est architecture? Les drogues sont aussi architecture parce que ça permet d'ouvrir tes sens et d'être. Donc, la pub devient aussi, donc ils en ont marre des pubs, donc ils font leur propre pub, donc c'est. Le déodorant qui déodorisant d'espace qui enlève toutes les mauvaises odeurs, tout ce qui est négatif et tout ce qu'ils mettent en contestation. Donc les images ne sont pas vraiment, donc en fait c'est des images qui n'ont pas souvent de relation entre elles, donc le seul élément qui met le lien entre elles c'est le comment dire, la phrase Alles ist Architektur, et pour l'époque en fait donc d'imprimer ou de faire un layout qui n'est pas, bon pour nous ça semble normal maintenant, mais qui n'entre pas dans une trame préconstruite, donc tout à coup on a des images qui sont en pleine page, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Bon, parfois les images ont quand même un lien, pour parce qu'ils ne sont quand même pas sûrs que leur dessin soit assez clair, donc ils mettent un peu une image à côté de référence. Mais ce que je trouve intéressant aussi, donc je montre ceci, tout le monde le connaît, mais c'est de se rappeler aussi qu'est-ce qu'ils contestaient. Et pour montrer ce qu'ils contestaient, j'ai retrouvé des architectures de propagande, des magazines de propagande allemande en fait. Donc j'ai trois numéros ici, qui vont de 35, 36 à 42. Je commence peut-être par 35, même si ce n'est pas la chronologie qui m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'ils contestent en fait? Quand ils disent l'architecture n'est plus que mur et tour par exemple, ils contestent cette architecture qui se veut
solide, il conteste cette architecture qui se veut traditionnelle. Donc, il conteste tous ces détails faits par les artisans, donc cette espèce de frénésie pour l'artisan. Donc ici, il y a encore des détails de portières, de bibliothèques, etc. Il conteste les intérieurs petits bourgeois. Donc en fait, oui, il y a 20 années entre les publications, mais la société autrichienne est une société très petite bourgeoise et très conservatrice. Et donc, elle continuait à vivre dans cette espèce d'idéologie ou d'idéal, disons plutôt. Déjà, les nazis prônaient, je ne veux pas le dire comme ça. Mais donc il y avait un côté petit bourgeois qui était détestable à leurs yeux. Je montre encore quelques-uns. Donc aussi les signes, donc tous les signes qui étaient repris dans l'article Les architectures, c'est pas les signes anciens, je ne connais pas le terme français en fait, Wappen, les écussons, tout ce qui est écusson, tout ce qui est traditionnel, donc c'est pour ça que aussi Holline, ils avaient repris cette iconographie de la pop art de Roy Lichtenstein, donc c'était des références complètement différentes. Donc c'était une revue de propagande destinée à l'étranger, où en fait le parti montrait ce qu'ils avaient fait. Donc ici c'est le Stade olympique de Berlin. Et quand on lit des textes, ils sont absolument, je ne sais pas, choquants, ahurissants. Mais donc il y a des projets qui sont construits par la Wehrmacht, donc c'est écrit par la Wehrmacht. On explique toujours les anecdotes de l'artisan, du travail familial, etc. Donc, c'était assez impressionnant. Mais, donc ici, ce n'est pas une revue allemande, mais donc c'est l'illustration. C'est une revue de 1942, aussi, mais qui est française. Et donc, en fait, qui reprend aussi, qui montre qu'on peut aussi prendre pour illustrer ce que Holline et les gens à l'époque de 68 réfutaient. Donc, c'est quand on regarde... Ah oui, parce qu'en fait, j'oubliais de dire, la couverture d'Abau, en fait, c'est le skyline de Vienne avec un grand Emmentaler. Parce que dans l'argot autrichien, Emmentaler Käse, ça veut dire mauvaise architecture. Donc, c'est pour ça qu'il y avait donc, toutes ces espèces de skyline belles, traditionnelles. Ils n'en voulaient plus, surtout si... C'est pour ça que j'ai pris ce magazine ici. Donc, il y a ces illustrations de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, les usines, c'est pas bien. Tout ce qui est gazomètre, c'est pas bien. Et en fait, c'est le contraire, en fait, ce que Holein et les gens disent. Ils disent, tout est architecture, c'est-à-dire aussi toutes les choses qui font fonctionner la ville. Donc, pas seulement ce qui étend la personne individuelle, mais tout ce qui fait fonctionner la ville. Et oui. Et voilà. Et donc, après avoir vu cette pub, je crois qu'il ne faut plus manger d'ovo maltine. Voilà, c'était tout. Bon, 5 minutes c'est court, donc 2 minutes pour pleurer, 3 minutes pour rigoler, ça on va faire ça. Donc, je vais d'abord expliquer le sentiment que j'avais par rapport à cette histoire de revue et par rapport aux revues. Je crois que ce n'est pas une question de qualité. Il y a beaucoup de revues, beaucoup, beaucoup de revues. Il y a beaucoup de revues intéressantes, bien documentées, je trouve très intéressantes. Et moi, j'ai l'impression que pour moi, il y en a trop. Alors, je ne vais pas dire il y en a trop, donc tous les gens qui font des revues, c'est idiot, etc. Pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout un point de vue polémique que je veux dire. Je dis... Pour moi, il y a trop de revues par rapport à la contenance de mon cerveau. Il y a trop d'images, il y a trop de textes. Et la question, je me mets tout à fait à l'opposé de la première intervention de Pablo, qui disait j'adore les images, mais moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, la part d'images que je peux prendre et la part de textes que je peux prendre est limitée. Je peux pas faire plus. Et si je fais plus, si je fais trop... C'est un peu comme les gens qui vont dans un musée et qui regardent toutes les œuvres du musée. Moi, je suis dans un musée, je vois 2 heures. Après 2 heures, je suis épuisé. Si elles sont bien, je suis épuisé. Et j'ai envie de passer à autre chose. Quoi. Et donc, j'ai ce sentiment-là avec les revues. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à...
Mais j'ai ce même sentiment pour des tas d'autres choses. J'ai le même sentiment pour la littérature. Donc j'achète le monde des livres toutes les semaines. Je tombe sur 4 bouquins. J'ai super envie d'acheter. J'ai pas le temps. C'est pas que j'ai pas le temps. J'ai pas joué. Oui, je suis un praticien. J'ai pas le temps. C'est pas vrai. C'est pas ça. J'ai pas le cerveau. J'ai pas la tête pour me passer 4 romans par semaine. C'est pas possible. Ou 3 essais. Même s'il y a plein de choses qui sont super intéressantes, etc. J'ai le même sentiment pour avoir la cuisine. Donc je peux aller dans un... Mais non, je peux aller rue Mouffetard à Paris, j'ai envie de rentrer dans toutes les boutiques, il y a des pieds paquets, il y a des œufs mollets, enfin, j'ai tout envie de tout manger, et puis en fait, finalement, mon estomac ne suit pas. Quoi. Et donc, c'est un peu le signe d'une société de consommation, enfin, où il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes, et voilà, on ne peut pas toutes les prendre. Et le côté, je trouve paradoxal là-dedans, c'est que... plus il y a des suppléments littéraires dans les revues, plus il y a des revues spéciales, je vais lire, etc., etc., moins les gens lisent finalement, et plus les gens lisent des torchons ou des magazines ridicules, etc. Et c'est pareil avec la bouffe. Plus il y a des revues, plus il y a des séries TV comme Hell's Kitchen, des trucs comme ça où on met en compétition des gens qui font des super plats, etc., plus les gens finissent par aller au fast-food. Et acheter des plats préparés, plus personne ne fait la cuisine, c'est assez hallucinant. Donc, c'est assez curieux. Et avec l'architecture, pour moi, c'est un peu la même chose. Plus il y a des revues intéressantes, j'étais à la bibliothèque, j'en ai vu plein. Ici, il y en a plein, enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment fantastiques, vraiment, je trouve intéressant. Et en plus, moins dans les revues, dans le quotidien, dans les quotidiens, dans le soir, dans Libre Belgique, dans ce qui fait notre truc, ça, moins on parle d'architecture. On a l'impression que ça n'intéresse vraiment personne, quoi, cette histoire-là. Et donc, c'est ça qui m'étonne par rapport à ça. Allez, hop, on passe à une fable pour mettre tout ça en musique. Hein, et donc, pour essayer d'expliquer cette difficulté que j'ai, moi, avec les quotidiens, qui ne passent jamais d'architecture. Si vous voulez voir de l'architecture dans un quotidien en Belgique, il y a, voilà, ce sera la Libre Imo, par exemple, ou le Soir Imo. Hein, donc, c'est à peu près tout ce qu'on trouve qui parle d'architecture des quotidiens. Donc, je commence ma fable qui tient un peu ça. Donc, un confrère ayant commis un morceau d'architecture se trouva plutôt mari de ne pas être en couverture. A plus aurait pu l'éditer, mais il voulait un quotidien. Pour une raison insensée, ce serait le soir ou ce ne serait rien. Ne pas paraître dans ce journal le mettait au supplice. Au directeur éditorial alla pour demander justice. De la culture dans votre canard, on en parle à profusion. Je veux qu'on m'expose, sans retard, qui choisit quoi, créneau de nom. Parce qu'évidemment, son problème, c'est que finalement, si vous ouvrez le soir à la page culture, on parle de plein de choses. On parle de théâtre, on parle de littérature, on parle de tas de choses, et des choses qui n'intéressent pas nécessairement beaucoup de choses. Souvent, moi, je vois des critiques sur le théâtre, je vais voir la pièce, on est 7. Et donc, c'est pas la raison. La raison n'est pas que ça n'intéresse personne. Le théâtre n'intéresse personne en Belgique, mais il y a des articles sur le théâtre. Et donc, je m'interroge sur cette question, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'architecture dans le... Je continue. Il est des arts plutôt mineurs, donc c'est de nouveau mon architecte qui aimerait bien se faire éditer dans le soir qui parle. Il est des arts plutôt mineurs qui ont chez vous toute une chronique et sans le moindre spectateur, un trop plein d'encre, pas de public. Tel théâtreux, combien j'enrage, qui n'emplit pas le premier rang, de vous reçoit une pleine page de beaux éloges et de compliments. Pour tel minable performeur, prêt à vomir dans son urine, puis à la repasser au mixeur, vous n'êtes pas moins magnanime. Tel écrivain à la dérive, dont les pages suent le banal, une interview exclusive de notre envoyé spécial. Dans votre torchon, que faut-il faire pour enfin se faire publier? Construire une gare de chemin de fer, au budget 10 fois dépassé? Nous ne sommes pas le bon média, lui répond le rédacteur. Pour parler de ces choses-là, vous devez mendier ailleurs. L'architecture dans ce journal n'intéresse vraiment personne, sauf si ça nous fait un scandale ou qu'une star nous téléphone. Éditez-vous à El Croquis? Mais j'ai pas assez d'argent. Ce n'est pas de l'avarice et je n'aime pas le catalan. Criticat, c'est à Paris. Je veux rester à Bruxelles. L'architecture d'aujourd'hui, c'est des suppôts de gens nouvelles. Quaderns, oh, c'est aussi Barcelone. DA, Domus, AD, 2G. Des titres, je vais vous en donner, mais aucun ne vous satisfait. Je veux être sans manière le Hollande de l'architecture, un bâtisseur ordinaire dans votre supplément culture. Mais vous ne comprenez donc rien. Faudra-t-il, comme à la messe, que je vous le chante en latin? L'archi, nul ne s'y intéresse. Je ne vais pas me répéter. Non, ce sera mon dernier mot, et si quand même vous insistez, je vous refile au Soir Imo. Bon, alors moi je ne sais pas trop où je vais
aller après ça. On va voir. Moi, je vais vous parler de deux trucs un peu bricolés, des deux petits bricolages. Bon, il y en a un qui est un peu plus connu que l'autre, quand même. Mais voilà, je vous ai ramené ça. Donc ça c'est un bouquin, plutôt. Et c'est pamphlet 1-10. Et en fait, ce pamphlet qui est un bouquin, c'est la collection d'une série de magazines qui ont été publiés en 77-78, enfin qui ont été commencés dans les années 70 et qui perdurent toujours en fait, mais dont on a un peu perdu la trace et que je trouve intéressante pour deux, trois raisons. Bon, c'est des types qui sont un peu plus connus en fait maintenant, mais à l'époque ils ne l'étaient pas tellement. Et c'est presque une. Il y a quelque chose de. C'est un peu une blague entre amis en fait, cette histoire-là. C'est des types qui correspondent et qui. Mettent en place des petits magazines imprimés noir et blanc, très simples, qu'on trouve... c'est bricolé, voilà, c'est un truc qui est bricolé dans le garage et qui va, quelque part, permettre aux uns et aux autres de s'envoyer des projets et de pouvoir discuter de ces projets. Je ne sais pas trop sur lesquels je peux m'arrêter, mais il y a une série de dessins. Finalement, c'est des magazines qui n'ont pas tellement de texte non plus, mais qui font ce que j'aime dans cette idée. C'est qu'en fait, ils explorent un vocabulaire un peu particulier à l'architecture, qui est celui du dessin, et comment ce dessin et cette espèce d'exploration systématique du dessin, finalement, elle interroge des questions architecturales, mais c'est, quelque part, ça renvoie un peu à ce que Sébastien a expliqué tout à l'heure. C'est une histoire presque privée, en fait. C'est aussi pour rentrer dans les questions, est-ce qu'il y a un grand public, est-ce qu'il n'y a pas de grand public. Je pense que dans ce cas-ci, il n'y en a pas véritablement un, mais c'est explorer des idées et puis les partager dans un espèce de petit groupe, finalement, et voir comment ces idées, elles peuvent aussi... ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait que c'est une espèce d'économie de moyens. Enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est imprimé, c'est des stencils à l'époque. Et c'est des choses qui sont relativement confidentielles et en même temps... C'est une petite discussion entre copains, quoi. C'est presque de l'ordre du pique-nique où chacun amène son projet, il le met sur la table. Et voilà, bon, ben là, on s'est récupéré dans un bouquin, enfin récupéré, c'est installé dans un bouquin. Je pense que les magazines originaux, je pense que c'est assez difficile à trouver, moi j'ai jamais réussi à en trouver. Et c'était une revue qui avait été fondée à New York dans les années 70. Voilà, on va dire ça. Enfin, l'exploration... d'une petite culture architecturale dans un groupe de copains. Et la deuxième chose que je vais montrer, donc c'est voilà aussi cette culture d'un vocabulaire architectural assez autonome, quoi. C'est ces perspectives, ces axonométries, ces rendus. Bref, voilà, on sent qu'il y a une espèce de recherche sur ce langage et qui finalement assume aussi ce langage très architectural. Et alors la deuxième chose que je veux vous montrer, donc je ne sais pas trop bien si ça a un rapport en fait, ça je ne sais pas encore trop, vous allez me le dire, mais c'est quelque chose d'aussi bricolé, mais de plutôt franchement bricolé, et qui sont une série de petites brochures faites par des étudiants assez récemment. En gros, c'est un étudiant de diplôme que j'ai suivi il y a quelques mois, et qui a... dans cette manière de communiquer, en fait, chaque semaine, il me renvoyait, il me faisait passer un petit magazine comme celui-là, qui sont aussi des feuilles A4 imprimées noir et blanc, agrafées ici au milieu, numérotées avec chaque fois, et qui sont en gros une espèce de petit carnet de bord, et, qui devient une espèce d'outil de communication. Enfin, pas vraiment outil de communication, mais c'est devenu la manière dont on a pu engager la discussion sur le projet. Et quelque part, je pense que c'est quand même un peu lié à ce que je viens d'expliquer avant. Mais c'est c'est la seule idée dont j'avais peut-être envie de parler ce soir sur cette question de l'architecture, mais ou plutôt des magazines. C'était peut-être pas nécessairement la question du public, c'est peut-être pas nécessairement non plus la question d'une critique ou quoi, mais c'est trouver des formes. Pour moi, c'est des formes très très autonomes qui permettent d'engager une discussion sur un langage qui est quand même un langage assez propre à l'architecture, qui est celui principalement du dessin. Et alors, pour la petite histoire par rapport à cette série de mini-brochures faites par l'étudiant, au début, on sent qu'on n'est pas encore dans le temps de la charrette. Donc, le titre est là, la date est là, le numéro est là, on sent que c'est assez proprement... on sent que ça avance, quoi. C'est un travail qui prend le temps de poser des bases
et qui a, voilà, ce que je trouve aussi interpellant, c'est la manière dont finalement ça aboutit sur un projet à travers toute une série de recherches et de fluctuations. Donc il y a tous ces premiers numéros, enfin numéros entre guillemets, qui sont des explorations, ils sont des dessins. Il y a une recherche de photographie, c'est la mise en place des photographies et des dessins. Et puis progressivement, le temps de la charrette arrivant, ça c'est assez marrant, mais il va finir par me donner ceci. Donc on est, je ne sais pas si on le voit bien, mais on est dans la même logique, sauf que là, il va dessiner directement, en fait, il va imprimer les feuilles quadrillées, puis il va commencer à dessiner directement le projet dessus. Et voilà, on sent une espèce d'urgence, et dans cette idée du magazine, quoi, c'est dans cette idée du public, ou dans cette idée du, au fond, est-ce que ça véhicule quelque chose, est-ce que c'est destiné à... Enfin, finalement, c'est juste un carnet de notes, quoi. C'est une espèce de carnet de bord. Et je pense, moi, je vois pas mal de ces magazines plutôt de cette façon-là, quoi. C'est une manière de mettre des traces et puis d'entretenir ces traces. Et voilà, finalement, cette espèce de caractère bricolé qui tient de la chronique du quotidien. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Je vous remercie. C'est tout. Bonjour. Voilà, comme ça je vois où est-ce que je dois mettre mes photos. Je m'excuse d'abord parce que j'ai pas trouvé de revue qui a marqué ma vie d'architecte. Et Carlo m'a dit que je pouvais apporter autre chose. Ça ne devait pas être forcément des revues. Donc, je vais vous montrer une série d'images, enfin de photos que j'ai prises et qui seront accompagnées d'une histoire, des morceaux de ma vie, vu que même ces images ne montrent pas vraiment ce qui m'intéresse à fond. Mais bon, c'est déjà un début de quelque chose. Voilà, je pense que j'ai été intéressé depuis longtemps, pas forcément par des bâtiments, mais par ce qu'il y avait autour. J'ai grandi dans la banlieue à Tokyo, et c'était un quartier où moyennement dense. Donc, pour avoir une image, il y avait entre les bâtiments genre de 50 cm jusqu'à 2, 3, 4 mètres. Et donc, on avait les maisons qui étaient éparpillées. Et j'ai longtemps vécu dans la rue. Enfin, j'avais une maison, hein, bien sûr, mais j'étais fils unique. Et à part le dessin et la musique qui m'intéressaient beaucoup, je n'étais pas vraiment intéressé de rester chez moi, donc je sortais souvent, trouvais des amis. J'avais pas mal d'amis dans le quartier donc, qui habitaient dans ces maisons. J'avais pas de GSM à l'époque, donc quand je voulais sortir avec quelqu'un, enfin m'amuser, je sortais et puis j'allais voir s'ils étaient là. Et... Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de porte. Les maisons sont en général en recul par rapport à la rue. De temps en temps, il y avait des barrières, mais c'était des toutes petites barrières. Donc si on voulait dépasser, on pouvait facilement rentrer chez les gens. Et c'était, oui, quelque chose qui était permis entre les gens du quartier. On pouvait rentrer chez quelqu'un, même si, donc, rentrer, ça veut dire pas ouvrir la porte, mais arriver devant la porte, ou aller entre les bâtiments. Et j'ai beaucoup grandi comme ça, entre les maisons, pendant quelques années. C'était des endroits où on pouvait se cacher, où on pouvait ouvrir tout à coup une porte à côté, de l'entrée principale pour rentrer dans la cuisine, pour dire bonjour, etc.
Et à 6 ans, donc, j'ai commencé à prendre le train pour aller à l'école, qui se trouvait à 1 heure de chez moi. Le train traversait donc les quartiers vraiment à 20 cm des rails. On avait le quartier qui était coupé. Je pense que comparé à ce qu'on peut voir entre la gare de Midi et la gare de la Chapelle, c'est très gentil par rapport à ce qu'on aurait pu voir à l'époque, donc en banlieue de Tokyo. Et depuis le train, donc à 7 heures du matin, donc, il y a toute la banlieue japonaise qui va vers le centre. On est, je ne sais pas combien de milliers dans le train. À 6 ans, moi j'étais comme ça poussé contre la vitre. Et je voyais à 1 mètre de moi défiler à 50 km/h des gens qui pendaient leur linge, des gens qui laissaient leurs jouets dans leur petit jardin. Ce n'était même pas un jardin, c'était un petit coin. À peine comme ça. Et je ne comprenais vraiment pas comment ils pouvaient vivre à 1 mètre du train. Ça m'était vraiment choqué. À l'école, bon, ce qui était intéressant, c'était de rencontrer des écoliers qui étaient à l'école, donc juste à côté de notre école. Moi, j'étais dans un lycée français, il y avait d'autres écoles japonaises dans le coin. Et au fur et à mesure, on découvrait comme ça des petits passages perpendiculaires à la rue. Il y avait une petite barrière, ou parfois un grand mur. Mais on avait pris l'habitude de sortir de la rue et de pénétrer un peu, c'est pas vraiment des îlots, mais de s'écarter de la rue et rentrer entre les bâtiments. Et là, je me souviens, j'avais rencontré des amis, enfin, c'était pas des amis, donc c'était des espaces qui a noué une amitié. C'est un peu bizarre comme endroit. C'est aussi des sortes d'endroits où on fait les premières bêtises de l'enfance. Et finalement, après mes études, après le lycée, je suis venu ici. Et là, ça m'intriguait parce qu'à Bruxelles, bon, on avait une rue, on avait une place. C'était très clair, c'était trop clair. On ne pouvait rien faire de spécial. Et j'ai découvert à ce moment-là donc ce livre qui s'appelle Le Sauvage et l'Artifice, parce que j'étais intéressé par ce qui poussait entre les bâtiments, pas vraiment par les bâtiments, mais entre les bâtiments. Et Augustin Berck, donc, qui est un Français et qui était directeur à l'époque à la maison franco-japonaise de Tokyo, il est géographe à la base, mais il a une connaissance impossible, enfin vraiment démesurée, sur la politique, sur la topologie, sur l'économie, sur la culture japonaise. Enfin, et sa fille était dans ma classe, c'est pour ça que je l'ai connue d'ailleurs. Mais c'est en fait en lisant ce bouquin où j'ai commencé à sentir que les petites herbes entre les bâtiments étaient quelque chose qui pouvait engendrer quelque chose d'intense qui pouvait engendrer une partie inoubliable de notre vie, en fait. Toutes les photos que je vous montre ici, donc c'est un parcours que j'ai fait il y a une dizaine d'années quand je suis retourné au Japon. On avance vers quelque chose qui ne s'arrête pas. Ça m'a fait un peu rappeler ces petits espaces que j'avais vécu pendant mon enfance. Et on avance, on voit à peine le bout ici, par exemple, hein, donc de l'escalier. On devine qu'il y a quelque chose ici derrière cette pagode en pierre.
On entend les oiseaux et la ville au loin, on sent l'odeur de la nature, on touche la pierre sur laquelle on a glissé, on goûte aussi l'eau qui est présente dans toute cette nature. C'était, je pense, un parcours de plus ou moins une heure qui m'a fait redécouvrir ce plaisir d'aller vers quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose au fond du sauvage ou de la nature. Et Maki, il résume ça assez bien dans son bouquin, donc, qui s'appelle, si je traduis littéralement, c'est « La ville qui se cache et qui se montre ». C'est peut-être pas le concept le plus important au Japon, mais c'est une des idées de la profondeur qu'il développe dans le dernier chapitre de ce bouquin. C'est la profondeur, en fait, qu'on expérimente, enfin, en tout cas, que j'ai expérimenté ici. C'est pas seulement voir, c'est pas seulement les cinq sens, mais c'est en plus tout ce mouvement. Donc, j'ai sué pendant une heure, c'était des montées, des descentes, c'était très crevant, mais vraiment touchant. Voilà, on arrive à la fin. Il n'y a rien de... C'est pas comme dans les films américains où la fin est vraiment surprenante. C'est plutôt le chemin qui m'a intéressé. Parce qu'à la fin, c'était un tout petit temple. Derrière, on a peut-être 3-4 cèdres qui sont vénérés. On voit le ciel et la nature continue. Voilà. Bonsoir. Comment dirais-je ? Je vais reprendre un peu où Pierre avait commencé tout à l'heure, c'est-à-dire, on a débattu un tout petit peu avec Carlo du sujet d'aujourd'hui et d'aborder peut-être une question d'alternative à la question éditoriale qui est débattue dans les revues et qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, comment entamer ça ? Comment dirais-je, avec une certaine discipline, c'est pour ça que j'évoque Pierre et le début de avant son pamphlet, quoi, ce qu'il a dit avant, j'ai une certaine réticence à la revue, c'est-à-dire j'ai essayé encore de me discipliner à éviter le plus possible le quotidien, donc la presse quotidienne, la télévision, la radio, etc. Comment dirais-je, j'ai une contrepartie à ça qui est l'attrait pour les livres, et donc je me suis entouré de livres, en fait, en évitant, en choisissant un temps, puisque Pierre disait tout à l'heure, effectivement, il faut choisir un temps qui était celui de la, en ce qui concerne la lecture, qui est plutôt la lecture d'ouvrages. Cette réticence s'est portée également dans le domaine de la revue d'architecture, sur lequel je sais peu de choses et sur lequel je m'entoure très peu. Je lis vraiment très très peu dans ce domaine. Et c'est bien un paradoxe dont je veux parler quelque part, puisque au milieu des années 90, en 98 exactement, j'ai retrouvé des notes tout à l'heure, j'ai voulu faire une revue d'architecture en interne au sein de l'atelier. Peut-être, on le sent sans doute dans une part des orateurs aujourd'hui, peut-être parce que le costume d'architecte est trop étroit, c'est-à-dire, enfin tous les costumes sont trop étroits, c'est très simple, mais le costume d'une discipline est très étroit. Et il se fait que dans la mesure où je n'ai pas... J'ai fait le choix de ne pas enseigner, par exemple. Il m'est arrivé alors à un moment donné de sentir que cette étroitesse était encore plus pesante ou plus pressante. Et je souhaitais trouver des outils, si vous voulez, pour, au-delà des pratiques qui sont en soi des outils d'échange magnifiques. À travers l'architecture, on a des outils d'échange absolument magnifiques et très porteurs. Mais au-delà de ces outils, je voulais développer une possibilité d'un outil plus libre que l'univers hallucinant de contraintes que ce métier porte. Et donc,
En 2004, on a fondé à l'atelier une maison d'édition qui s'appelle Fourtou Édition, qui relève de vraiment de la micro-édition. D'ailleurs, je peux le prouver. Donc ça, c'était notre premier livre. Micro-édition, et je dirais aujourd'hui, dans la réflexion qu'on mène en ce qui concerne l'édition, on essaie de la développer, de l'ancrer également sur un réseau européen. On va essayer tous les deux ans de recevoir 5 micro-éditeurs. Et quand on entendait François Fomenon tout à l'heure, qui me touchait absolument dans son enthousiasme comme ça, je pense qu'il y a dans la revue, dans l'édition aujourd'hui, il y a toujours ce moteur fantastique de cette boule d'énergie, de questionnement, de conviction et d'espoir qui fait que ce type d'assemblage m'interpelle énormément. Et donc ça, c'était le premier ouvrage qu'on a sorti, qui était un micro-livre voilà, de 285 pages, je pense. Le nombre de pages n'avait aucun sens. C'était simplement on voulait arriver à former un cube avec l'ensemble de ces pages. Et donc, tout le projet éditorial était assemblé autour de ça. Alors, pourquoi une maison d'édition? J'ai essayé de rassembler quelques notes pour rassembler mes idées. Je pense que la première chose qui m'intéressait, c'est de pouvoir développer un outil avec un potentiel de liberté, ce que je disais tout à l'heure. Donc l'idée de liberté en matière de création, en matière d'autonomie de la pensée, et de ne pas devoir recourir à un dispositif dont je dépends, Pierre, qui souhaite publier dans Le Soir Immo, je pense, a des difficultés. Donc ne pas dépendre d'un organe de presse, mais avoir vraiment le champ libre des choix éditoriaux et également des rencontres potentielles qu'on peut faire. Ça, c'était une thématique, bien sûr. C'est également une thématique qui porte sur l'espace réflexif avant tout. La deuxième chose, c'était de rompre avec un certain isolement. Alors, de quel isolement parle-t-on? En fait, quand on fait cette discipline, ce métier d'architecte, effectivement, si les rencontres sont programmées, elles se retrouvent dans différentes couches du projet, si on veut. Néanmoins, ces rapports sont très formatés, de 1, de 2. L'isolement vient du fait que 3 décennies dans une société, un État qui a, scinder ces structures d'un État central à un État fédéral, donc avec différentes entités régionales, on s'est rendu compte, et Pierre le disait encore tout à l'heure, et on l'entend en filigrane de certains autres, que l'intérêt pour la question architecturale est absolument dérisoire de par le politique et de ce fait de par les médias. Donc rompre avec un isolement, c'est pouvoir également expliciter des processus qui sont les processus de création qui sont les nôtres, et donc trouver, et c'était le cas avec cet ouvrage, trouver des voies pour expliciter ces processus. Donc rompre avec l'isolement. Bien sûr, la troisième chose, c'était de créer encore, c'est-à-dire de ne pas tricher avec cette notion de la création, et de ce fait d'assembler des ouvrages dans des formes extrêmement diverses au niveau de la mécanique du livre, mais réellement c'est si proche de nos pratiques architecturales. En fait, ces livres sont faits au sein d'un atelier d'architecture par les gens qui y travaillent. Il y a depuis quelques années maintenant, après 3 ans de travail, quand tous les architectes étaient épuisés d'essayer de me suivre, à faire des bouquins, ils me disaient: Pierre, nous on a autre chose à faire. Et donc on a quand même engagé quelqu'un qui s'appelle Pierre Goertz, qui fait un boulot formidable, et dans lequel ça ne rompt pas le fil des architectes qui collaborent. La quatrième chose, et la dernière peut-être, c'était d'évoquer, de creuser certaines thématiques, certains sujets, parce qu'une maison d'édition, qu'est-ce que ça veut dire? On va sortir bientôt le 28e livre, je pense. 28e ouvrage, et 4 thématiques m'ont interpellé, je dirais, et sur lesquelles on a essayé de charpenter le discours éditorial. Il y en a un qui sont les rapports entre l'architecture et l'écriture. On avait mis en place un projet qui s'appelait Architexto. C'est également les rencontres comme celle avec Pierre Blondel, c'est pour ça que je l'évoque peut-être à multiples reprises ce soir, avec lequel on a monté aussi un projet éditorial sur ses écrits, et dans lequel on a eu une seule bagarre, et qu'est-ce que je suis content de l'avoir gagné, c'était qu'il ne voulait pas mettre ses pamphlets. Voilà, vous avez entendu ce soir qu'on l'aurait tous regretté. Bon, la deuxième chose, c'est d'étudier toutes les questions sur la marge de l'architecture, donc les questions par exemple de la photographie, des choses comme ça, et de traduire à travers ça
une forme de questionnement, d'auto-questionnement sur la question de la production architecturale à propos de nos propres projets. Il y a bien sûr tout ce qui est one shot. Et enfin, et je terminerai par ça, et je crois que c'était aussi une partie de l'invitation, une partie de ce sur quoi l'invitation était fondée, c'est qu'on a, on va développer, il y a, donc le dernier sujet, c'est d'essayer de combler certains trous sur l'histoire du XXe siècle. Vous allez me dire pourquoi ce type se mêle de ça, c'est pas mon job du tout, il y a des actions nombreuses sur ce sujet, mais malgré tout, je vis dans une communauté et je pense que la maison d'édition a aussi comme, comment expliquer, comme choix, c'est de s'ancrer dans un endroit et dans une communauté. Finalement, une ville de 200 000 habitants, qui est la ville dans laquelle je vis et je travaille, qui est Liège, c'est une entité sur le plan européen, une unité de mesure sur le plan européen qui est absolument transversale. On retrouve cette entité partout, dans des univers finalement avec énormément de similitudes. Et donc, on va développer le plus gros projet éditorial depuis qu'on a commencé, et je peux le prouver. Voilà. Alors, c'est quoi ce projet éditorial? C'est qu'on a, et c'est une partie de mon moteur, enfin, au niveau de ce pourquoi aujourd'hui, comme architecte en interne, je fais une maison d'édition, c'est que dans l'entre-deux-guerres, un atelier d'architecture, enfin, ce qui est devenu un atelier d'architecture, a eu l'idée, à partir de 1928, de créer une revue qui s'appelle la revue L'Équerre. Donc, le projet éditorial, c'est depuis 2005 ou 2004 en interne avec l'atelier, avec notre atelier, on a essayé de trouver les 115 numéros qui ont été publiés jusque 1939. On les a tous retrouvés, y compris ceux qui sont écrits à la main et qui sont stencilés. Donc ça, c'est pas du tout le livre, mais c'est l'assemblage, si vous voulez, que la reliure qu'on a fait des photocopies avant le scannage, etc., de l'ensemble de ces documents. C'est une revue à la fois très typique de son époque, c'est-à-dire, on l'a vu dans certains documents présentés aujourd'hui, c'est une revue ce qu'on appelle d'avant-garde, ou en tout cas liée à la période héroïque de l'architecture, dans laquelle énormément de gens ont travaillé, enfin, on retrouve bien sûr Le Corbusier, Gropius, etc., mais énormément Sartoris, enfin tous les liens de ce groupe L'Équerre avec les SIAM, ils deviennent secrétariat des SIAM en 1935, par exemple, sur le plan national, et il y a, outre le fac-similé qu'on va produire, le livre fera, je pense, 1500 pages, donc c'est très compliqué en reliure, sachez-le. Mais dans ce bouquin, il y a un appareil critique qui, et ça c'est plutôt le volet qui moi m'intéresse, parce que pourquoi publier un facsimilé de l'entre-deux-guerres, si ce n'est essayer de ramener une partie de la pensée, c'est-à-dire d'éclairer une partie de cet entre-deux-guerres qui, aujourd'hui, sur le plan historique, est un lieu extrêmement interpellant pour notre culture aujourd'hui, et de un, et de deux, de ce fait d'essayer de ramener une partie de la condition d'observation comme outil de réflexion aujourd'hui. Donc il y a 5 contributeurs qui ont accompagné, Sébastien Charlier qui fait l'essentiel du travail principal de recherche, mais également Jean-Louis Cohen qui fait un travail remarquable sur les villes de seconde importance, donc sur Brno par exemple par rapport à Prague, sur Tartu par rapport à Tallinn, sur Barcelone par rapport à Madrid, etc. Il y a Geoffrey Grelois qui a fait un document absolument remarquable sur l'étude des outils urbanistiques que L'Équerre a mis en place, et notamment toutes les polémiques liées avec Le Corbusier, où ils n'étaient absolument pas d'accord sur la charte d'Athènes, et donc ils anticipent, si on veut, à la question de l'urbanisme de la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a également, et j'en suis vraiment ravi, Sébastien Martinez, qu'on a écouté tout à l'heure, aussi parce que notre idée, c'était de voir et d'éclairer la condition de la revue, et donc à travers, vous avez entendu, son intelligence, sa très grande pertinence, sa très grande intelligence sur ce qu'il connaît de son propre statut d'avoir fondé une revue, ce pourquoi il l'a fait. C'était particulièrement intéressant tout à l'heure, je trouve. Et donc, c'est cette même qualité qu'on retrouve dans les pages qu'il met en œuvre. Et donc, il y a aussi Hélène Janière qui étudie les revues de l'entre-deux-guerres. Donc, en gros, je suis sur un document comme ça, comme éditeur de nouveau, ou comme dans l'axe des réflexions et l'espace de liberté dont je parlais, assez proche de la philosophie de l'historien Tony Judd, dont je remercie Thomas More de m'avoir offert un jour un livre à mon anniversaire, Tony Judd, qui dévoile, qui creuse avec des nouveaux outils historiques les conditions d'hier pour le rapprocher d'aujourd'hui. Voilà, c'était en quelques mots ce que je voulais vous dire.